Tir au but. Ouais, il a fallu faire tentation de tir au but, mais bon. Après, on a allé chercher l'égalisation jusqu'à la fin. Ils m'ont un peu sauvé avec le deuxième petit touchement. Mais bon, après, ils ont eu du mal parce qu'ils étaient arrivés à 10. On a su profiter un peu. On n'a pas eu de chance parce qu'ils sauvent 2-3 fois là-bas. Après, le gardien a fait un bon arrêt. Il a cherché la qualif, le tir au but. Voilà. Maintenant, on attend de taper un gros. C'est la loterie, mais globalement, c'est mérité. Ça s'est joué dans la tête, hein, parce que. Il était mené 2-1 comme il a fallu aller chercher l'égalisation. Hein. Ouais, c'est surtout qu'il fallait chercher avec la tête. Parce que c'était pas évident, on gagnait à 0, on s'est revenu à 1, on perd 2-1. Et surtout, il fallait chercher la l'égalisation jusqu'à la fin. Ça n'a pas été facile parce qu'ils se sont regroupés derrière. Mais bon, on a su la faire maintenant. C'est victoire et puis voilà. Vous aviez la confiance parce que vous étiez en supériorité numérique notamment. Ouais, je suis le C'est exactement ça. C'est dur à vivre, mais au final, c'est... Ouais! Qu'est-ce que ça fait du bien? Bravo aux garçons, tout simplement un grand coup de chapeau. Ouais, mener 2-1, il a fallu faire preuve de grosses ressources hein, pour. Oui, pour et puis je pense que c'est mérité quand même sur le nombre de cases qu'on a. C'était presque une attaque défense sur la deuxième mi-temps, eux réduits à 10. On en a profité et puis après, au pénalty, bon, bah, c'est la roue, hein. Elle a tourné en notre faveur. Ouf! Vous aviez la confiance notamment, si vous étiez en supériorité numérique, vous avez bien senti qu'en face ils étaient cramés. Hein. Oui, complètement cramés, ils jouaient à bloc bas, ils étaient 10 derrière. Après c'est toujours difficile de marquer, donc contre une équipe comme ça s'est joué sur un coup de pied arrêté, sur notre attaquant encore qui a fait un très très gros match, donc super.